Remarque, les dents de la mer, peut-être qu'avec lui ça passait mieux, pour une raison absolument évidente. Oh, il n'y a plus que 3. Goûte à mes feuilles d'eucalyptus. Ah non, pardon, je confonds avec les koalas. Allez, chou. Bon, écoutez, vivons dans l'anarchie un petit peu, comme les gens de gauche. Ah, elle était pas drôle celle-là. Enfin, c'est pas que, ouais, disons que je ne l'assume pas. Je n'ai pas envie de me lancer dans les vannes politiques. Surtout, j'y connais rien. Est-ce que pour compenser, il faut que je fasse une blague sur la droite aussi? C'est pas la peine, déjà le parti de droite c'est une blague en soi. Voilà, c'est bon, j'ai fait. Alors venez pas m'insulter. J'ai fait une blague des deux côtés. Prenez. Alors, énigme facile. Voilà, avec un soleil de plomb. Là. On peut essayer, hein. Par contre, ça m'arrange pas, c'est pas cette pièce que je voulais. Allez, je tente, quand même. C'est bon. Doucement. C'est quoi la chanson en toi je vais doucement? Je me souviens plus, mais ça devait être encore une chanson de merde vu qu'elle passait à la radio. Ah, mais c'est pas possible. Ouais, c'est cliché. Ça passe à la radio, donc c'est forcément de la merde. Oh, non, foutu. Allez, je sauve une pièce. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'aurais pas dû rusher en fait. Mais d'ailleurs, c'était complètement con, j'allais sauver quoi? J'allais sauver une pièce. C'est tant pis. Bah bon, pas pour le choix. On va faire l'inverse, quoi. Hein? C'était risqué. Ouais, on peut promettre. De toute façon, ça ne aurait servi à rien, on était déjà devant. Perdu. Avec un score égal à son QI. Red avec 2 en dernière position. C'était une blague de Banjo et Kazooie 2. Mais là où la blague était drôle, c'était avec un score égal à son QI de moins 3. Si vous voulez avoir un score négatif, vous avez trouvé ça très drôle. Il y en a beaucoup qui disent que Banjo et Kazooie ça a très mal vieilli, je suis pas trop d'accord. Parce que disons que les graphismes c'est de la merde, et puis le style de jeu et tout ça. Mais moi juste pour l'humour. Par contre le 2 je pense qu'il a vieilli. Ouais. C'est comme Donkey Kong 64 aussi, je trouvais les jeux rares de la fin de la 64, ils étaient un peu trop ouverts. Je trouve. C'est vraiment toi qui as la plus grosse. Tiens, moi aussi. Ah, j'ai envoyé une bulle sur une pièce qui tombait déjà. Mais je visais celui du milieu. En fait, c'est qui le premier? Je me souviens. Putain, mais t'as des pièces qui tombent toutes seules de ma ruine là. Mais non. Par contre, oh, celle-là, elle fait. Waouh. Waouh. Non. Attention en bas. Comment on dit ça fait
Comment on dit ça? J'étais en train de me demander comment on disait ça en anglais. Mais Enfin, c'est quoi les... Hop! J'arrive à rien. Merde, mais non, mais en plus, il m'a mis des orties en bas qui me déstabilisent. D'où le proverbe, faut pas pousser mémé dans les orties. Pardon, c'était trop tentant. Je suis désolé. La vache, faut pas que j'oublie de la couper, celle-là. Elle était vraiment mauvaise. Ça tiendra jamais. Oh là là, et en plus si je me rate. Putain, avec le vent, ça va peut-être pas. Hein? Déjà? Putain. Ça aurait pu être le toit dans les orties aussi. Et, genre, et tu vois, je creuse bien histoire qu'au montage je galère pour tout enlever. Tu sais. Non mais cette vidéo est foutue, on est d'accord. Juste à cause de cette blague. Bah, ah, bon, ça a l'air relativement évident ce qu'il faut faire. Ah, moi je l'aurais pu suivre comme ça. Ouais. J'ai rushé au cas où. Hein. C'est chaud, c'est ça. Voilà. Nickel. C'est quoi le nickel d'ailleurs maintenant que j'y pense? C'est genre du verre, je crois. Un truc comme ça. Ça me dit quelque chose. Putain. Risque à la con. Bon, tant pis, j'ai envie de prendre le risque. Allez. Flamme! Hein? C'est bon. Voilà. Voilà. Là? Non! Non, 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 non! Oh, on a tout fini en même temps. Eh putain, j'ai fait le moins pire! Flamme, ce jeu il est trop. J'ai pas envie d'arrêter en fait. C'est peut-être parce que je gagne. C'est le seul jeu où je gagne. Bon, on a l'éternel second, hein, bien sûr. Je sais plus cette expression. Je crois que ça venait de la. Enfin. Moi je l'ai lu dans les contes de la rue Broca. Parce que je suis vieux, moi. Je sais plus, j'avais un gars qui était éternel second parce que je sais plus, il portait un nom de merde, je crois, c'était ça l'histoire. S'il y en a qui. Il y en a qui sont aussi vieux que moi. Baf, que veux-tu? Voyons. Ah, toute ma jeunesse. Putain, l'un des seuls livres que j'ai lu de ma vie, quoi. Même les livres au collège, je les lisais pas. Voilà. Petit arrangement technique. Ouh, un Archimage 4. Yeah. MTI, Steam. Et Orbit Me. Ça, c'est un fan de Kerbal. C'était le nom de ma fusée. Mais comme j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, et ben je l'ai jamais réussi. C'était très nul à Kerbal. Ouah, y'en a un. C'est foiré. Enfin, j'ai pas bien vu. Ah putain, déjà! Putain, mais la main. Oh là là, le gros carré. Putain, mais arrête de rusher, je vois plus le bas de ma tour. Ça marche, ça? Ouh. Putain, j'étais en train de m'endormir ou quoi? Putain. Ça va, c'est un petit brouillard. Bon, en fait, pas la peine de se presser, je suis sûr qu'ils vont bien mourir avant moi, avant la fin. Ouah, c'est gros! Mais t'en as combien comme ça? T'es le truc, il était plus large que toute la. Toute la largeur qu'on m'avait donnée.
C'est pas grave, on va gratter, faire les parcelles d'à côté. Tac. Tac. Ah. Je monte plus vite. Lui que je regardais. L'échec. Ouf. Ça c'était marrant. Oh, star. Il se rattrape, hein, le goût. Alors, une énigme. Je parle d'une énigme. Mais il me semblait que les énigmes, il n'y avait qu'une seule solution. C'est pas ça la différence entre une énigme et un casse-tête. Ça me semblait ici, moi. Pourquoi faire chier? Bah oui, tu mets ça là. Ah d'accord, il a préféré... Ah putain, c'est une bonne idée ce qu'il a fait le deuxième. Ouais, ah. Ah putain, oh là là, je l'ai mis où il fallait. La chance, parce que je voulais faire ça. Dans la famille, on a une obsession pour tout ça, pour la stabilité. Oui, c'est de la merde, quoi, dégage-moi ça. Bon, voilà. Non, on va pas prendre trop de risques, on va la mettre comme ça, effectivement. Putain, encore une autre barre. Si je la mets pas comme ça, il risque de toucher le laser. Oh non, non, putain, un carré maintenant. Hop. Ah, merde. Oh non. Putain. Fais chier. Oh, y'en a un qui a fait pire que moi. Oh la vache. Faut que je regarde si j'avais fait les 13 si j'avais fait. Mais je crois que oui. Oh la vache, il se rattrape. Le pire, c'est qu'il se rattrape, mais c'est qu'en plus, il a eu plus de points que moi, vu qu'il est arrivé deux fois premier. Il va avoir plein de points d'exp. Oh, ça, c'est un peu de la merde, ça, finir là-dessus. Ça y est, c'est la surprise à la con. Ah, avec une belle tourpie. Ah merde, je me suis encore foiré, putain. Ça tient ça? Non, bien sûr. Bah on va y aller doucement. Je vais pas arriver au dernier. Ah, un petit cœur. Vite, un petit cœur. Ah non. Non. Oh putain. Putain, mais quitte à perdre, j'aurais bien voulu finir au moins troisième là. Ah merde. En plus c'est lui qui gagne, c'est pas de soi. Non mais tapis. J'en fais une victoire. Mouah, rire maléfique. Temps de refaire une dernière partie. Ah mais cette fois c'est la dernière partie des dernières parties. Ok, je vais faire avaler ça. Mich. L'arc. L'arc fait. Ça, ça sent un nom de. Alors je connais pas, mais ça sent tellement le nom d'un héros de Final Fantasy. Je peux me tromper, hein. Eh bah. Je parle ça. Ouais. Alors, je suis là. C'est en fait c'est là tout ça. Bah,
Normalement ça tient des fois. Des fois ça tient, des fois ça tient pas. Ah non, ça a pas tenu. Moi je tenais à ce que ça tienne. J'espère que ça va toucher. Deux. Il est mort. Mais non. Mais non, mais pas du tout que ça allait tenir. Bon, c'est pas grave, ça tient quand même, mais bizarre du coup. J'ai eu un gros malus en stabilité. Voilà. Oh, c'est putain d'escalier de l'enfer. Mais tu, pourquoi il me file une barre, cet enfoiré? Mais où tu veux que je la mette? Je vais la mettre là, mais... Oh, c'est une cochonnerie. Cette cochoncité. Non, ça fait autre chose. Ça va bien finir par se casser la gueule, mon truc, de toute façon. Oh merde, ça tenait. De toute façon, Vingt. Avec un truc d'une propreté assez incroyable. Donc oui, les Final Fantasy, moi, à part Final Fantasy 9, je crois que c'était Jaden, son surnom. Et Bibi. Et Dagueuse, comme il l'avait appelé mon frère dans le derrière. Dagueuse. D'ailleurs, ça m'avait tellement fait rire que je me fais même plus son vrai nom. La princesse machin. La princesse descendante d'une civilisation disparue. J'adore les clichés de JRPG. Là, c'est ce que je voulais. Allez. Tac. Tac. Je m'envole vers la victoire. Ou pas. Ah oui, non, oui, oui, oui. Ouah, ça tangue. Ah mais non. Ça aurait fait, vous voyez le gros truc à gauche, ça aurait fait la cheminée. Je crois que je suis pas prêt pour faire de l'architecture. C'est pour ça que j'étais très mauvais à Minecraft. Bon, déjà, j'arrivais à faire un cube. Je dormais dedans, j'étais content. Ou alors même pas, je creusais un trou dans le sol. Ah. Et tu dors. Ah, c'est où ça? Sentir rusher. Oh putain. Mais quel porc. Putain.
il a relâché au moins 15 pièces. Ah, ça, il a compté quand même, dernier, là. C'est pas con. Parce que techniquement, ils ont tous les deux fini à zéro. Ça fait quoi, l'objet, déjà ? Ah, ici. Wouah ! Non, ça c'est pas... Le rire maléfique, c'est le... Bah, c'est le B ou c'est le Y ? Putain, je sais même plus en quel sens j'ai fait les trucs. Allez, la dernière partie de dernière partie de dernière partie. Oh putain. Oh, what's going on? Pourquoi c'est tout noir? Oh, on va faire un niveau dans le noir. Et vous savez qu'il y a un niveau comme ça dans Don't Starve? Comment on fait dans le noir? Oh non, ça a planté. Bon, bah, tant pis. Je vais devoir quitter la vidéo ici. Oh, quel dommage. Ah non, ah, je peux relancer une. C'était une feinte. Voilà, on va jouer avec l'arc encore. Super, super Zaku. Super Zaku. C'est un avion, c'est un oiseau. Mais non, c'est super Zaku. Non, c'était le contraire. Bon, bref. Je suis trop jeune, hein, je suis désolé. Putain, ça tient quand ça veut, cette merde. J'ai pas compris la logique encore. Deux carrés, on va les mettre là. Bon voilà, t'es là, tu bouges plus. Oh putain, c'est limite. J'entends plein de trucs tomber, je sais pas ce que c'est. Mais non, mais je l'ai déjà fait tout à l'heure, fait là, j'avais pas compris. Putain, en fait, ça marche mieux que ce que je voulais faire, c'est fou ça. Oh, il me donne deux barres. Ah mais moi j'en ai fait tomber qu'une, donc vainqueur parce qu'il a été le moins nul. C'est ça. Oh putain, d'une pièce. La vache, mais il avait tellement fait mieux que moi en fait. Et voilà, c'est celui qui s'est fait le ralentir. Je sais pas ce que c'est que le truc. Il y aura une touche à appuyer, je pense. Pour dire t'es pas content. Ou alors, tu sais pas, tu fais un appel à l'arbitre. Il dit qu'il va tricher. Eh, je joue ou pas? Putain, mais ils ont commencé avant moi, les tricheurs! C'est pas juste! Comme si il en faut plus pour me décourager. N'importe quoi. Ah merde, on peut pas utiliser l'éclair. Ah tiens. Ah, c'était à peu près centré. De toute façon, je pouvais pas centrer plus. Hein. Ah, Pandora. Ok. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ouais, c'est bien sûr. Ouh, c'est la course. Je dis rien, mais j'étais en train de penser à une blague, et puis en fait, je me rends compte qu'au fait, non, elle est pourrie. Je savais que si je la gardais. Merde! Tiens! Mais tu.
Mais j'étais... Ah! Mais tu vas rentrer! Plus tard! Chut! Qu'est-ce de merde? Ouah, y'a un sacré lac quoi. Tiens, vas-y, version XXL. Oh pff. Et moi, pendant ce temps, bah, je me vautre dans toute ma splendeur. C'est quoi le score? Oh, c'est le premier qui se perd. Je regarde sur qui j'ai lancé ma bibli. Oh non, c'était limite. Quoi, encore une bubule? Ouah, non! La bubule de la mort. Ah bah de toute façon, dans les films d'horreur, le monstre le plus effrayant, c'est le monstre en savon. Surtout pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas faire des... Ah! Non, putain! Mais non, mais... Putain, mais j'étais devant, c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'il se tape 15 000 trucs en glace, l'autre, là? Mais lâche-moi. Lâche-moi. Non, presque. Ah, j'ai soufflé. Ah, ça a marché. On peut pas... En fait, je m'en rends jamais si on peut la tourner, cette pièce. Yay. Victory. Et la fameuse coupe en bambou. Ah, putain, mais j'étais... Je crois que je m'amuse plus sur l'écran de fin que sur le jeu lui-même. Non, c'est une blague, c'est un très bon jeu. Allez, moi je vais quitter ici, ça suffira. On va voir comment je montrerai ça. Allez, je vous laisse, bisous, bisous. Allez.